Salut mes readers, petite vidéo sur MXS Rank. On est en milieu de saison, donc c'est plutôt cool au niveau du Elo. On essaie de stagner autour de la 30e, 40e place. On est plus là pour s'amuser, passer du bon temps sur MXS Rank, donc j'espère que cette vidéo te plaira. De toute façon, c'était fini. La prédiction, vous avez fêté combien? 6100 contre 9000. Ah, vous êtes plus contre moi là. C'est quoi ce live? C'est quoi ces gens là? Trop vous tenez à vos points et du coup vous vous assurez tout. C'est pas très très sérieux tout ça. Juste pour ça, j'ai envie de vous faire tous perdre là. Sauf que c'est un niveau à peu près homogène où je peux faire top 5 quand je peux pas faire. C'est ça qui est fou quoi. Tiens, plus regarde, hop. D'ailleurs, je fais le shot, mais non, je suis parti en winning. Mais je vois pas si mal que ça. On est bien parti. C'est bien, je me rappelle des traces quand même. Parce que c'est des tracks que j'ai quand même fait plusieurs fois. Je suis pas sûr que ce soit une trace très réglementaire celle-là par contre. Je sais qu'il y a le trip qui est chaud. Là, bien mesuré. Bah allez, deux se plantent. Et moi je me... plante pas, ça va. Je savais qu'il était tout juste. Les Olico Léo et les Gunners en sueur. Non. Wow. Chaud cette sortie dernière là. Encore long, mais ça passe. Ouf, non mais des fois j'ai des trucs, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Le cul il part d'un coup. Non, 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 oh. Je fais n'importe quoi, j'étais bien. Puis pour monter sur ce track, j'ai tombé, c'est la mort. Ça, tous les gens sont contents. Et arrêtez d'être contents de mon malheur, là. Juste vous kick du live, là. Vous allez voir la Sartre. On va arrêter les prédictions, hein. C'est trop chiant. Vous êtes pas avec moi. Tout ce que vous voulez, c'est que je tombe. Plus j'ai glissé d'une manière totalement inattendue. Hop là, juste pour vous, je repasse top 3. Ça vous apprendra à se moquer du streamer que vous regardez là. Juste pour vous, je vais tout faire pour gagner. Enfin, pour faire top 5. Ouais, ouais, je suis focus. Ça vous apprendra. Pas être derrière moi là. C'est le même qui veut que dans mes hits de Supercross le jeudi soir, comme quoi je vais pas passer au main event. C'est les mêmes, on les connaît, hein. Les gros radins des points de chaîne, là, les baillons de chaîne. On les connaît, hein. Allez, dernier tour. C'est bon, j'ai de l'avance, hein.
que je perde pas trop vite parce que je pourrais pas me prendre un coup de karma. Ah là, juste pour vous. Ça vous apprendra à pas croire en votre streamer. Voilà. Allez, prenez vos points là. Plus je fais une même place, plus je gagne du points. Parce qu'il y a du monde là, il y a pas mal de monde là. Je suis 5ème du serveur, donc je vais gagner des points. Ah, je suis passé premier. Ah, encore pire. Encore pire les gens. C'est que je gagne. Tiens, à tous ceux qui ne pensaient pas que je faisais un top 5 là. Une victoire. Merci les pénas. Ils ont pris combien de pénas? 14 secondes. Oh, ils ont pris tellement de pénas. C'est parce qu'ils coupent trop dans le virage en dévers. Dans ce virage-là, en fait, faut pas trop couper. Si tu coupes trop, laisse tomber, tu prends masse pénas. Faut rester dans les traces. Ah oui, c'est vrai que c'est Mons. J'avais oublié lui. Plus 10 tout de même, plus 10 quand même. Partons large, s'il vous plaît. Merci les gens. Wow, j'ai évité tout juste. Allez, go. Mais non, pas go. Alors, on a monté P5. De toute façon, moi, c'est aujourd'hui la soirée, hein, faire P5 partout. Va nickel. Oui, c'est tellement long. L'intérieur. Remix, ouais, oui, ça passe. L'intérieur est passé nickel. À l'arrêt dans le virage. Non, mais il n'y a pas qu'une histoire de physique et de qualité. Si je fais un jeu, il y a aussi une histoire de fonctionnalité. Hein. Ouf, t'as un peu osé ça. Il y a aussi une fois. Est-ce que. Il n'y a pas que la physique, c'est la modabilité des jeux qui sont actuellement à chier, quoi. C'est pas ce qu'on peut faire en 2021. En 2021, tu peux avoir un jeu où automatiquement t'as les skins de tout le monde, quoi. Ça serait ouf, ça. Des mythes, sérieusement. Donc il faut payer un développeur, un modeleur 3D, voire deux développeurs. Donc ça coûte facile, voilà, 300 000 euros, le temps de créer le jeu. Tu connais beaucoup de Redwood, des développeurs qui travaillent gratuitement et comment ils mangent, s'ils ont pas de sous. Les gens, et après, ils voient un monop et ils disent, eh ben, les gens, je travaille gratuitement en ce moment, mais je serai payé quand le jeu sera vendu, je vous paye plus tard. Ça marche pas comme ça, la vie. Hein. Les développeurs, faut les payer, et même si ton jeu se vend pas et sort jamais, faut les payer quand même. Si c'est le jeu est un échec derrière, faut les payer quand même. Putain, j'ai presque réussi à freiner. Qu'est-ce que tu fais avec ta moto, mon gars? Je galère sur ce track, pourtant il est pas si dur que ça, mais je suis pas dedans. Je suis pas focus. Voilà, je glisse à tous les virages, nice. Oh, c'est bien rattrapé P5 quand même. Et quand je vous dis objectif P5, je fais P5 à toutes mes courses. Hein. MXS c'est génial, mais il y a zéro ergonomie, le jeu est pas très beau quoi. Ouais, non, mais c'est ça. La physique des MXS c'est cool, mais tout le reste c'est dépassé. Rien que, même le menu. Le menu, tout est dépassé. Tu devrais voir la tenue en 3D. Ça devrait être par catégorie. Genre là, toutes les 2016 MT Factory Mix aléatoire. Ça devrait être dans un seul truc. Ou quand tu cliques dessus, t'as accès à tout. Pareil, quand tu vas dans Playback, tu devrais avoir plus d'infos sur le Playback. À quelle heure ça a été fait. C'est des conneries à ajouter. Ça prend pas de temps. Mais voilà. Puis après, bah forcément, il y a tout le côté graphique à refaire, quoi. Mais là, tu vois, là, par exemple, en ligne, je devrais avoir les skins de tout le monde automatiquement. Je devrais pas me faire chier à télécharger des packs.
quand tu connectes un serveur, tu devrais, si t'as pas les tracks, les télécharger automatiquement. Il y a plein de choses comme ça qui devraient être mis en place pour que le jeu soit bien. Faudrait pas les bidouiller des fichiers pour les mettre, les copier-coller, les machins, les trucs, beaucoup trop compliqué. Beaucoup trop compliqué. C'est juste que MXS, son moteur graphique est dépassé, du coup tu pourras jamais rien faire de bien avec. Je pense pas que son passage en 64 bits va changer grand chose. J'espère que ce petit montage sur MXS Rank t'aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, le commentaire et le partage. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, il y a plein de vidéos comme ça sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas, c'est totalement gratuit. Sur ce, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une prochaine vidéo. C'était MXWay. Ride in peace.